Et salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, une vidéo live étant donné que je suis sorti à Paris. Et écoutez, j'ai pu trouver la dernière série de Lego Minifigures, donc la numéro 11. Et je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir ce verre qui est absolument magnifique. On peut le dire, je pense, un verre métallisé absolument magnifique. Et donc je m'en suis pris 1, 2, 3, 4, 5. Et 7 et une première pour moi, j'ai dû les prendre au hasard étant donné que j'avais pas forcément le temps de les prendre en les choisissant. Donc je me suis dit, je vais en prendre 7. Je sais pas pourquoi 7, vous demanderez à vos parents, ils sauront sûrement pas répondre d'ailleurs. Et voilà, donc, et pour tout vous dire, à part ce qui est montré là-dessus, je ne me souviens absolument pas des figurines qui sont présentes dans la taille. Ce qui fait que ça va être assez drôle à ouvrir, attendez que pour une fois je vais découvrir en même temps que vous. Ça c'est plus le trip de Chris, de Lothar qui va, excusez-moi. Mais bon, voilà. Donc, premier sachet, je ferme les yeux. Et, écoutez, je sais pas ce que c'est, donc ça doit être la fin de Bretzel. Voilà, c'est la fin de Bretzel, donc je sais pas ce que ça veut dire, si ça veut dire quelque chose. Mais donc oui, c'est la fin de Bretzel. Et je vais l'appeler comme ça maintenant. Alors donc, c'est comme ceci, on place le tablier, hop, elle fait le tour. Et là on n'a pas le choix étant donné qu'il y a un imprimé détaillé sur le tablier, il faut faire comme ça. Donc comme ceci, avec des jambes dont les pieds sont imprimés légèrement en noir. Hop. Une tête qui est donc monoface. Donc un petit corset qui est assez joli, qui est assez classique, donc qui est assez utilisable. Par contre, je suis un peu déçu qu'il manque un petit imprimé dans le dos. La coupe de cheveux est sympa parce qu'elle fait réaliste avec la petite mèche qui retombe. C'est du plastique mou, mais ça tient bien, contrairement au premier cheveux en plastique Exofarce. Ou Exoforce si vous préférez. Et donc notre femme Bretzel tient son Bretzel. Et je n'avais pas vu que l'imprimé poursuivait sur les côtés des pieds. Donc notre femme Bretzel sera notre première figurine. Et je l'espère, pas de double. Parce que c'est vrai que je ne regarde pas les autres figurines. Je préfère pas me spoiler, quitte à faire, hein, vu que j'ai commencé sans rien me spoiler. Je ferme les yeux. Et donc c'est quoi? C'est une scientifique. Et c'est assez cool parce que voilà, elle a deux... Elle a deux fioles, ce qui est plutôt sympa, je trouve. Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je rappelle, hein, les figurines depuis la série 3 n'ont plus de code. Hein. Juste un petit rappel. Donc, une tenue basique, encore une fois, mais qui fonctionne. Après, bon, vous avouerez que les personnages de ville comme ça, ça m'intéresse moyennement. Mais bon, voilà, au moins, vous avez... l'image de la chose. Donc ça, je vais bouger ça parce que ça prend de la place. Troisième sachet. Donc je rappelle qu'on en a 7 en tout. Je ferme les yeux. Et bon. Ah bah ça c'est cool par contre, la petite vieille. Donc la petite vieille, je l'avais pas. Bon, la femme âgée si vous préférez. Et c'est très très sympathique parce que j'avais la personne âgée masculine, donc le petit vieux si vous préférez. Ce qui est assez sympathique. Comme ça, j'ai le couple. Et donc, la face est jolie. Alors, attendez, je vais faire un focus. Le pull est classique, mais la face est jolie. Et les cheveux sont très sympathiques. C'est ceux de la veuve noire dans Avengers, mais en version gris. Ils sont très sympas. Et vous avez donc un petit panier en plastique mou. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle ne puisse pas le tenir les deux ans en même temps. Ce que je trouve dommage, vous voyez, ils auraient pu faire, vous savez, je ne sais plus avec quoi ils avaient fait ça, avec les skis, en fait, il n'y avait qu'une seule partie de lance. Après, c'est sûrement pour pouvoir mettre des choses dedans. Et donc, notre petit chat, que je ne connaissais pas comme moule, il est probablement pas nouveau, mais je ne le connaissais pas, avec la petite touffe de poils et tout, très sympathique. Ensuite, donc, on arrive à la moitié, avec quelque chose qui est assez gros, donc c'est possible que je sache déjà ce qu'il y a dedans. Mais bon, je me tais, je ferme mes yeux et je fais ça. Et non, c'est une autre scientifique.
Ça aurait pu être pire comme douche, je suppose. Après, c'est pas forcément. Après, peut-être que la coupe de cheveux m'irait bien, vu qu'il me fallait une coupe de cheveux avec queue de cheval. Alors, c'est pas forcément celle que je voulais, mais ça pourrait marcher. Après, j'aime beaucoup ces petits tubes. Et comme j'en ai deux, je pourrais faire des épaulettes avec. Vous posez pas de questions. Donc, hop. Double scientifique, donc, excusez-moi, c'est tout flou. Je suis un peu stupide. Donc, on continue la chanson. Je ferme mes yeux. Ok. Bon, alors, on parie combien que tout le reste, c'est des scientifiques. Donc, merci à Sub pour le hasard, mais il reviendra. Et je vous avouerai que je m'attendais à avoir des doubles, mais alors par contre des triples. Ça me rappelle un petit peu la triple cornemuse que je m'étais tapé l'autre jour, l'autre fois, quand j'avais déjà pris d'ailleurs par hasard, sans le vouloir. Donc triple scientifique, d'accord, ok, d'accord. Bon, peut-être pas d'autres scientifiques quand même, hein. Ouf, tout va bien, pas de scientifique. Donc là c'est le. Apparemment, c'est un sauveteur de montagne. Je vois qu'il a un symbole d'ambulancier. Voilà. Je vais y arriver. La tenue est super sympa. Enfin, le rouge et noir, de toute manière, c'est un combo qui marche bien. Même s'il a été trop utilisé par certaines personnes. Et la corde qui est très sympathique, d'ailleurs. Ce qui serait cool, c'est de lui mettre, vous savez, un petit clip qui permet d'avoir un tenon dans le dos, mettre une pièce avec un clip dessus et pouvoir attacher la corde dans son dos. Mais ouais, non, franchement, vachement sympa. Si j'arrive à lui mettre, voilà, la corde, je vais y arriver. Et non, il ne va pas se pendre avec, c'est pour aller sauver en montagne. Et donc, la petite pioche. Et donc, on a notre sauveteur de montagne qui, est d'ailleurs, a renversé le pauvre petit chat qui n'avait rien demandé. Et donc pour la dernière, c'est donc probablement une scientifique. Bon, j'exagère, mais je vais fermer les yeux et je vais pas me porter la poisse. C'est quoi? Alors attendez, parce que je vous avouerai que là pour le coup. Ah, je crois savoir. Ah ouais, c'est plutôt cool. C'est le soudeur. C'est le soudeur. Étant donné que j'ai participé à la mécanique, c'est assez sympa. Dans l'idée, vous avez donc votre soudeur tout dégueulasse. Voilà. Et alors, attendez, parce que j'ai pas l'image du truc. Ah, mais carrément, alors attendez, ça c'est imprimé, ce qui est très très cool. Et donc, vous branchez ça ici. Vous avez votre fer à souder. Votre petit masque protecteur avec un imprimé qui représente une vitre sans teint, je suppose. Plutôt pas une vitre sans teint, mais une vitre teintée. Et donc vous avez le petit appareil de soudure. Alors attendez, je vais le mettre dans sa main gauche parce que sinon ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On va le mettre sur le côté, comme ça je peux brancher la petite jauge ici. Alors je suis assez content pour lui, le sauveteur en montagne, et surtout la petite vieille, parce que bon, comme je disais, ça me permettra d'avoir le couple de personnes âgées. Bon, les scientifiques, 3 ça fait un peu beaucoup, 2 ok, j'aurais pu comprendre, mais 3 c'est vraiment beaucoup. Celle-ci, bof, hein. Je vous avouerai, c'est vraiment pas. Après, la coupe de cheveux est vachement cool par contre. Enfin voilà, donc bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où j'ouvre encore avec un bel échec après un hasard, 3 figurines identiques. Et donc nous, bah, on se retrouve au moins dimanche pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.